trouve sur Minecraft pour voir à quoi servent les os et à quoi servent les poudres d'os. Les os, ce sont des loots qu'on peut avoir sur les archers et ça sert à une seule et unique chose. On va aller sur l'établi et on va claquer, on va écrire poudre. Et là, on a poudre d'os. Ça ne sert qu'à ça. Hop, on va en faire une dizaine. Pour chaque os, on a 3 poudres d'os. Et voilà, là j'ai 11 poudres d'os. Comment utiliser ça? Eh bien, c'est très simple. On va aller couper un arbre. Hop, voilà. Et on va aller détruire maintenant ces feuilles. Et on a un petit pourcentage de chance qu'il y ait un pouce de bouleau, parce que là, l'arbre en question est un bouleau. On a une faible chance, voilà, de récupérer une pousse de bouleau. Je viens d'en avoir un. Et cette pousse, quand vous la plantez sur de l'herbe, à l'air libre, il va donner un arbre. Sauf que ça peut être un peu long. Et on peut avoir la flemme d'attendre, on veut du bois tout de suite. Donc je vais le planter là. Et là, je vais équiper ma poudre d'os et je vais cliquer plusieurs fois dessus. Une, deux, trois. Et voilà, j'ai un arbre. La poudre d'os, ça sert à ça, à accélérer le développement des arbres. Hop, 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 et voilà. Je sais pas si ça marche aussi pour les cultures. On va essayer en live. On va découper une carotte. Hop, je plante ma carotte et je vais jeter de la poudre d'os dessus. Et voilà, j'ai des carottes et je peux recommencer. Donc voilà, ça accélère le développement des cultures. Donc arbres, cultures et tout. Tout simplement. Et bah écoutez, si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne au travers du Tipeee. Ça aiderait beaucoup à son développement. Et à la prochaine pour une future vidéo. Ciao!